Bonjour à tous, c'est Osur de l'FTI et je reviens pour une nouvelle vidéo sur comment va se dérouler le jour 1 de la release de Star Citizen. Alors apparemment il y a des questionnements sur qu'est-ce qui va se passer au moment où le jeu va sortir. Wow. Je pense qu'au niveau de la bêta il y aura déjà des choses qui vont se préparer. Mais au niveau de la journée 1, c'est-à-dire le jeu sort et la journée 1, je voudrais savoir ce qui va se passer avec mes packages. Alors, on va essayer de résumer ça en deux parties. La première partie, c'est je suis en solo, j'ai acheté mon starter package chez CIG et je vais commencer mon jour 1. Et après, ça sera la deuxième partie avec je suis en communauté. Je fais partie d'une organisation, d'un groupe. Nous avons tous des starter packs. Comment cela va-t-il se dérouler? Voilà. Alors, dans la première partie, c'est assez simple. Vous avez un starter pack, vous avez un vaisseau, un hangar et quelques petites choses en général parfois qui sont rajoutées, donc peut-être Squadron 42 si vous avez pris le pack avec Squadron 42. Ceux qui étaient là avant 2017 je crois ont le starter, le Squadron 42 à l'intérieur, ceux qui ont été après 2017 n'ont plus le Squadron 42, donc il faut qu'ils le prennent en supplément. La première chose et une des priorités qui va arriver sur ce starter pack, c'est surtout cet effet de hangar. Ce hangar est très très important. Parce que le starter pack va vous faire partir sur une premier système, une première planète, une première zone avec ce hangar. Je m'explique. Aujourd'hui, le hangar, c'est juste une pièce dans laquelle vous avez vos vaisseaux qui apparaissent et rien de plus. C'est une sorte de zone de vie personnelle dans laquelle vous allez pouvoir la poser un jour dans un des systèmes de Star Citizen. Alors, on espère évidemment qu'on aura tous les systèmes à la sortie du jeu. Je pense qu'autour de la bêta, on aurait été autour des 60, peut-être, enfin, c'est la supposition, mais en tout cas, avoir déjà un paquet de systèmes déjà en place, et qu'à au départ du jeu, on sera bien autour des 100 systèmes, et dont peut-être 50 systèmes cachés. Quoi qu'il arrive, vous allez, dès le départ, choisir une zone, soit une zone pirate, soit une zone UE, avec ce hangar. Donc ce hangar est quand même très important, parce que ça va être votre zone de départ. Alors, a priori, vous pourrez le bouger au fur et à mesure du jeu, mais je pense que ça coûtera très très cher pour le déplacer. Donc je vous conseille de bien le choisir dès le départ, de choisir votre système et la zone dans laquelle vous voulez spawner. A partir de là, quand vous aurez spawné votre hangar dans une zone, donc vous serez dans une ville, je pense. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des zones, parce que vous avez aussi des hangars industriels qui sont des hangars qui sont dans des astéroïdes. Je pense qu'il y a des zones qui n'auront pas de hangar au sol. Et ça seront sûrement des zones comme Pyro qui ont beaucoup de systèmes d'astéroïdes cachés. Et vous aurez sûrement une possibilité de mettre un hangar industriel dans ces zones-là. Donc ça peut être hyper intéressant d'avoir des zones avec un hangar industriel. C'est un hangar dans un astéroïde. Donc je trouve ça top, moi. Quand on joue à un jeu d'espace, je pense que c'est quand même super important. Maintenant, on est loin de tout. Donc il y a aussi un désavantage à être dans un astéroïde. C'est qu'on n'aura pas une ville à côté avec tout le confort, quoi. Il faudra prendre votre vaisseau et aller sur une zone pour pouvoir acheter vos victuailles et autres. Donc cette zone de vide va être importante parce que ça va être un peu votre QG personnel dans lequel vous aurez tout votre confort personnel. Et dedans surtout vous aurez vos vaisseaux qui vont spawner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez poser votre hangar, tous les vaisseaux qui vont dans votre starter pack, que ce soit 1 ou 10 ou 20, ils vont commencer à vivre. Donc tout le système de vie des vaisseaux va se mettre en route. Donc vous avez 3 ou 4 vaisseaux, je vous conseille de vite mettre en place un système, parce que il va y avoir le système d'usure de temps sur les vaisseaux qui va apparaître, et à chaque fois que vous sortirez un vaisseau, il y aura aussi le carburant, les problèmes qui peuvent s'avérer au cours d'un vol. Donc ce moment là est très important. Alors la deuxième phase, c'est la phase où je suis en communauté. Donc j'ai une organisation. Personnellement, je peux avoir plusieurs starter packs, mais si je fais plusieurs starter packs, le premier starter pack que je poserai, c'est lui qui va commencer. Si j'en pose pas d'autres pour l'instant, si j'en ouvre pas d'autres, les vaisseaux resteront stockés, ne s'useront pas. Donc n'ouvrez pas tous vos starter packs dès le départ, sinon vous allez perdre beaucoup en sous pour refaire tous vos vaisseaux, pour entretenir vos vaisseaux. Donc je suis dans une organisation, et le but c'est qu'il y ait une réunion avant de commencer à poser ces starter packs. C'est très important que vous ne trouviez pas tout le monde de chacun d'un côté ou un autre du système, parce que pour traverser des systèmes, je pense que ça va être très très long. Alors si en plus vous n'avez pas le vaisseau adapté, vous avez juste un petit chasseur pour aller rejoindre votre groupe qui se trouve à l'autre bout de la galaxie, je peux vous dire, vous allez morfler. Donc, l'idée c'est que vous ayez une sorte de point de départ avec votre organisation. Alors, je décide d'aller sur le système
Nix, le système Lyre, j'en sais rien, et posé sur une planète sur laquelle vous avez décidé de tous partir. Vous spawnez tous dessus. C'est quand même très important parce que cette partie-là, ça sera vraiment votre fief. Là où tout le monde va pouvoir aller, se rencontrer et surtout sortir vos vaisseaux ensemble. Donc pas avoir un problème de un qui se trouve à 3 millions de kilomètres, l'autre à 18 milliards, et etc. etc. Donc évidemment, je vous conseille fortement quand vous rentrez dans une navigation, savoir dans quel système il se trouve et d'aller mettre votre hangar et votre starter pack à l'endroit où ils sont. En général, quand on regarde une zone, il y a plusieurs stratégies politiques. Vous regardez si vous avez une zone parce que vous allez faire du minage, minage intéressant dans le coin, de collecte de gaz parce qu'il y a des planètes gazeuses dans le coin, ou du commerce très intéressant qui pourrait se faire entre deux systèmes qui sont juste proximité. Voilà, donc après c'est une stratégie personnelle. Après pour ceux qui veulent faire de la phase de combat, je pense que c'est une autre zone, ce serait plutôt des frontières avec des aliens dans lesquelles on est en zone de combat, peut-être les Vanduul, peut-être des zones pirates, je ne sais pas, mais en tout cas choisissez bien votre zone de départ, parce que c'est celle-là qui va prédéterminer tout le reste de votre jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!